Dites-moi, jeune homme, c'est bien ici le rassemblement des R8 ? Oui, c'est ici, oui. Mais elle est où votre R8 ? Bah, elle est là, regardez. C'est le dernier modèle de chez Audi. Elle m'a été livrée hier. Ah mais attendez, rassemblement R8, c'est un rassemblement Renault 8, la vraie R8. Pas une R8 de footballeur. Une R8 de footballeur ? Attendez, c'est la version V10+. Un véhicule de connaisseur. Excusez-moi, c'est quand même pas comme votre antiquité. Hein. Mais d'ailleurs, elle roule ? Bien sûr qu'elle roule. Elle se pilote même. Venez voir, je vais vous montrer. Voilà, mais vous voyez, c'est ça la vraie R8. 1300 cm3 à l'arrière, 88 chevaux en furie, seulement 770 kg. Boîte 5 vitesses, 175 km/h en vitesse de pointe. Et 80 à disque, une révolution à l'époque. Oui d'accord, mais on est sur circuit, il faudrait quand même penser à passer la seconde. Hein. Parce que là c'est quand même pas très sport. Hein. Mais vous étiez à fond là ? Ben oui. Mais mon cher, les sensations en R8, c'est pas seulement en ligne droite, c'est aussi et surtout en virage. Vous allez voir. Pas taper, hein. J'imagine qu'elle a 0 étoile au crash test votre voiture. Attendez, on va aller dans mon Audi R8, c'est quand même plus sûr. Ah, on se sent mieux quand même ici. Et vous sentez ? Quoi ? Il y a une fuite d'essence ? Mais non, l'odeur du cuir, regardez, il y en a partout. Sur la planche de bord, sur les sièges, sur les portes, et regardez le virtual cockpit. Affichage entièrement numérique de la vitesse. C'est quand même mieux que vos aiguilles qui tremblent. Et avec ça, je contrôle tout. Les sièges chauffants, les sièges massants. Et vous appelez ça une voiture de sport ? Vous allez voir. Ouais, ça pousse pas mal, mais vous arrivez encore à passer les vitesses avec votre PlayStation sur roue là. La vitesse, ah oui, vous allez voir, 330 km/h, 0 à 100 en 3 secondes 3 seulement. Moi j'ai vu dans votre Renault 8, 3 secondes c'est le temps de passer la première, non? Bon d'accord, même si c'est pas la vraie R8, je dois avouer que la moderne est pas mal. Mais ça coûte combien un joujou comme ça ? Ah bah pour un tel bolide, il faut compter 200 000 euros. 200 000 euros ? Attendez, c'est au moins 10 fois le prix de la mienne. Non mais là, soit vous êtes footballeur, soit vous êtes complètement ruiné. Ah non, je suis pas footballeur. Mais je voulais vous dire une chose. Vous avez quand même bien profité de mon Audi R8 sur le circuit. Et là, faut que je fasse le plein. Ça vous ennuie si on partage ? Visibilité réduite. Oui. Et donc les essuie-glaces, c'était une option à l'époque. J'aurais dû demander avant de partir. Mais comment marchent les essuie-glaces ?